la mitopo. Yahweh, Yahweh, béni sa mitopo. Yahweh, Yahweh, bate la mitopo. Très ravi de vous retrouver des milliers devant vos petits écrans pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de ma bannière télévision. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces nouveaux journaux. À la une de cette session, la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur Deshi Atou Matubwa Nkuluki et le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makoso s'est déroulée ce mercredi 8 septembre 2021 au gouvernorat des provinces en ville basse. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement provincial et c'est dit Conseil provincial de sécurité. Le désormais ex-gouverneur Atou Matubwa Nkuluki s'est fait représenter par le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial. De détails avec Marie-France Ebengo. Une foule immense devant le bâtiment du gouvernorat pour encourager celui qui va diriger la province avant la tenue des élections de gouverneur et vice-gouverneur. 16h, heure à laquelle la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makoso et le gouverneur sortant représenté par le secrétaire général adjoint M. Émile Mbongulelo a débuté. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie, question de vivre la passation pacifique du pouvoir. D'entrée des jeux, le procès-verbal de la dite activité a été lu par l'inspecteur général de la territoriale M. Ngoyi. Conformément au message officiel de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, numéro 25-CAB-INTER-CD-CAC-ADWKD-086-2021 du 5 septembre 2021, confiant l'intérim de la province à Monsieur Justin Luemba Makoso, vice-gouverneur de province, avons constaté l'absence de M. Atou Matubwa Nkuluki, gouverneur de province Deshi, à la cérémonie de prise de fonction de M. Justin Luemba Makoso en qualité de gouverneur de province ad intérim. Prenons la parole, le nouveau patron de la province s'est exprimé. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'honneur qu'il vient de rendre à la province du Congo central, qui, par ses effets, nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie de prise de mes fonctions en qualité de gouverneur AI et représentant personnel du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement de compte ni de clivage politique et ethnique, c'est plutôt l'établissement de l'état de droit. Mesdames, Messieurs, changeons de registre pour parler de la proclamation et de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 ce mercredi 8 septembre 2021 au collège Excellence situé au sommet de la montagne Kassou dans la commune d'Invoussi. Des détails avec Pacifique Mwanda qui était sur place. À un jour du début de la grande vacance, les collèges Excellence, école chrétienne œuvrant dans la ville portuaire de Matadi sur l'avenue Kabalo numéro 2 et 4 dans la commune de Mvouzi au sommet du Mont Kassou a procédé à la proclamation des résultats finaux des élèves ce mercredi 8 septembre 2021 dans la matinée pour l'année scolaire 2020-2021. Tout a commencé par la prière et suivi de l'hymne national, l'animation, scénette et différentes récitations des élèves avant les mots de circonstance du promoteur. Avant
avant la livraison des résultats des élèves, le numéro 1 de cette formation scolaire s'est exprimé à titre de reconnaissance aux parents qui ont inscrit les enfants dans cette école. Plus important de choses, c'est juste vous remercier par rapport à la confiance et cette considération que vous avez envers notre école où nous et vous sommes partenaires. Et la chose que je voulais encore demander de plus, c'est de vous demander à continuer à renouveler cette confiance en nous par rapport à l'année prochaine, l'année qui arrive, vu que vous faites déjà confiance par rapport à l'excellence, vu que c'est aussi, ça fait partie de notre devise. De notre côté, nous demandons que vous puissiez nous renouveler et pour que nous puissions continuer toujours à bien encadrer nos enfants. Dans un climat apaisé, la proclamation proprement dite commence. Un peu avant, M. Tchamoté Mathieu Mbolo, directeur des études, direction primaire, a exposé les tableaux synoptiques de cette école. Sur 216 élèves, dont 107 garçons et 109 filles, il y a eu 212 réussites et 4 échecs. Pour la 6e année primaire, tous ont été certifiés, soit 37 participants au TENAFEP, 37 réussites. Rappelons que la vacance va du 9 septembre au 2 octobre prochain, soit 26 jours. Et voilà, dans le même registre de la proclamation des résultats au Collège Excellence dans la commune d'Envouzi, le directeur des études de cette institution scolaire s'est dit satisfait du déroulement de l'année scolaire 2020-2021, malgré sa particularité marquée par une trêve des enseignements due à la pandémie à coronavirus. Une fois de plus, on écoute le directeur des études au micro des Pacific Monde. Mes impressions sont très bonnes. Très bonnes parce que la réussite est totale. Cette réussite que je déclare est totale. À partir de la première année, vous avez vu vous-même. Même les parents ont applaudi. Mais nous sommes privés. Il y en a qui pensent que quand il confie son enfant dans une école privée, que cet enfant doit coûte que coûte réussir. Non. Si l'enfant a échoué. Et cela ira de son intérêt. C'est comme ça que nous avons connu ici 4 élèves qui doivent refaire l'année. Ce n'est pas mauvais. C'est vrai, une année très élastique. Mais nous avons pu encadrer nos enfants à partir du renforcement des capacités aux enseignants qui ont transmis aux enfants. Les parents doivent continuer à nous faire confiance. Même ceux qui nous regardaient de loin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas leurs enfants ici, doivent oser. Parce que ceux qui sont là ne sont pas déçus. Voilà, mesdames, messieurs, changeons de registre pour SMPD naviguer au niveau national. Le chef de l'État congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa mission officielle de 3 jours à Ankara, capitale de la Turquie, après la signature des accords bilatéraux entre Kinshasa et Ankara, dans le cadre de la consolidation de l'amitié entre la RDC et la Turquie. En mission officielle de travail de 72 heures avec la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi et une forte délégation des officiels congolais en Turquie, le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu le mardi 7 septembre 2021 par son homologue turc Erdogan Recep. Le début congolais a retenti au palais présidentiel d'Ankara. Après toutes les étapes de la cérémonie d'accueil lui réservée, le premier citoyen congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue turc. Les deux chefs d'État ont échangé sur la consolidation de l'amitié entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Cet tête-à-tête a conduit à la signature de quelques accords bilatéraux bénéfiques aux deux pays, spécialement dans les secteurs du tourisme, dans la protection réciproque des investissements avec les échanges commerciaux et dans la lutte contre la fraude. Ces accords bilatéraux scellés entre Kinshasa et Ankara sont évalués à 250 millions de dollars américains. À en croire le président turc, ce volume d'investissement sera augmenté dans les prochains jours à la dimension de cette relation qui lie désormais la République démocratique du Congo et la Turquie. Toujours au niveau national, parlons cette fois-ci de l'éducation, exclusion définitive au sein de l'école et interdiction d'étudier dans les réseaux des écoles conventionnées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est la punition des élèves du collège Saint-Georges à Kinshasa qui se sont donné le luxe de tourner un film plutôt pornographique en milieu scolaire. Suivez.
Les élèves qui se sont autofilmés en plein débat sexuel sont sanctionnés sévèrement, exclus définitivement de l'école et ne peuvent plus jamais être inscrits dans le système éducatif du réseau des écoles conventionnées sur l'ensemble du territoire national. Cette décision ressort d'une réunion du conseil de discipline extraordinaire du collège Saint-Georges qui a statué sur les cas de ces enfants. En présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, le mardi 7 septembre 2021. Cet acte immoral a été condamné par les uns et les autres. Pour les préfets de l'école, ces élèves ont terni l'image de ces collèges. Beaucoup de peine et de tristesse que nous avons suivies depuis 4 jours maintenant sur les réseaux sociaux, les scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore, constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes. Il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiennes, en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. Pour clôturer, le ministre de tutelle, Tony Mwamba, a promis d'aller plus loin afin que ses élèves, auteurs de cette vidéo sextape, ayant transformé le milieu scolaire en site hollywoodien de tournage de films pornographiques, puissent répondre de leurs actes. Mesdames, Messieurs, clin d'œil sur l'actualité continentale. De milliers de Marocains étaient appelés aux urnes ce mercredi 8 septembre 2021 pour les comptes des élections générales. Eh bien, le détail avec nos confrères d'Euronews. Quelques 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi au Maroc pour renouveler leurs 395 députés et les 31 000 élus communaux et régionaux. Difficile de savoir en l'absence de sondage qui est favori, mais le PJD, le parti islamiste modéré au pouvoir, espère briguer un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. Le vote s'est très bien passé. Nous attendions ce jour très important au Maroc. Tout le monde doit voter et je suis venu pour faire mon devoir. Pendant la courte campagne sans meeting, pandémie oblige, les partis se sont vivement confrontés, s'accusant d'achat de voix ou de gaspillage d'argent. J'espère sincèrement que les personnes pour lesquelles nous avons voté sont à la hauteur, dit cette femme. Elle devrait s'occuper de la situation du peuple. Dieu merci, je suis convaincue que la personne pour laquelle j'ai voté est la bonne. Le chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête du scrutin. Il est nommé par le roi Mohamed VI pour 5 ans. Dans ce royaume de 36 millions d'habitants, les décisions et orientations stratégiques restent l'apanage du monarque. Mesdames, Messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal réalisée par Christian Simba sous la coordination rédactionnelle de Marie-France Ebengo, les tout sous la supervision de Chamboui Batubenga. Bonne suite du programme sur les antennes de Mabanière Télévision. On se retrouve très prochainement.